Jour 54, 100 jours de prière. Sabbat 26 mars 2022. L'assurance de Dieu. Lisons Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31, verset 8. Le Christ dit à Nathanaël en réponse à sa question: d'où me connais-tu? Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jean 1, verset 48. Nous voyons ici que le Christ avait vu Nathanaël avant que ce dernier ne voie le Christ. Il en est de même aujourd'hui. Christ voit ses enfants avant qu'ils ne le voient. Il les appelle avant qu'ils ne lui répondent. Il les a à l'esprit avant qu'ils ne remarquent Jésus. Comme il est réjouissant de réaliser que nous avons un rédempteur sympathisant qui identifie ses intérêts avec ceux de l'humanité souffrante. Vous pouvez le considérer comme votre médecin. Il vous donnera et vous donne la grâce. Il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Il vous portera de grâce en grâce. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Comptez simplement sur Jésus-Christ, votre justice et votre suffisance. Question venant du fond du cœur. Comment connaissez-vous Jésus? Rappelez-vous qu'il nous voit avant que nous le reconnaissions et qu'il nous précède toujours. Prions. Prions pour l'ouverture du cœur afin d'accepter le fait que Jésus vous précède, qu'il est avec vous et qu'il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera à aucun moment. Prions pour les membres d'église vivant à Sainte-Lucie. Prions pour qu'il y ait une croissance de l'église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'église. Prions pour le camp meeting pour les aveugles qui aura lieu en août afin de leur offrir un soutien émotionnel et de la fraternité. Prions pour que nous comprenions et partagions activement le message de la justice par la foi et que nous nous reposions dans la justice de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce, sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté. Tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé et ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.